Et salut tout le monde, c'est Kitsu, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi, ça pourrait aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plus d'un mois et demi. Donc je vous l'annonce d'ores et déjà, pas de montage, pas d'intro, ni rien, c'est fait comme ça au feeling. Je ne sais pas combien de temps elle durera, ça, parce que j'ai plein de choses à vous dire, à vous expliquer. Donc ça prendra le temps qu'il faudra. Donc oui, pour m'encourager, j'ai mis trois écrans avec une vidéo de moi en pause. Donc on est sur Garry's Mod, je suis sur une map en solo parce que c'est mieux pour vous expliquer certaines choses. J'avais pas envie d'être sur une, d'avoir juste le vocal et une image fixe. J'ai envie qu'il y ait un peu de mouvement. Donc faut que je vous explique deux trois petites choses, notamment du fait que ça fait déjà, on est le 13 mars, ça fait déjà plus d'un mois et demi. Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait déjà presque un mois et demi que je n'ai pas tourné. Ça fait même un mois et quart, je dirais à peu près. Pourquoi? Donc vous savez que des fois je sors pas de vidéo quand j'en ai pas envie, mais là c'est vraiment que j'avais, enfin, ou quand j'ai la flemme plutôt, on va dire ça comme ça, et là c'est vraiment que j'avais plus d'envie du tout. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Le début février, j'ai lancé un jeu, donc je peux vous dire lequel c'est, il n'y a pas de soucis, c'est le multiplayer mode, je vais y arriver, de Just Cause 2 sur Steam. Et j'ai eu un souci, c'est que en fait quand je l'ai lancé, mon ordi a bugué littéralement, donc je ne pouvais même plus afficher le gestionnaire, je ne pouvais plus rien faire du tout, mes écrans étaient buggés, je ne pouvais plus rien faire. Donc j'ai forcé mon ordi à s'éteindre avec le bouton noir charret. Et le problème c'est que quand j'ai voulu le redémarrer, donc j'ai attendu un petit peu, au bout de, je crois au bout de 2 minutes je l'ai rallumé, il m'a fait un diagnostic de sécurité sur le, au lancement, hein, même pas... J'étais sur l'écran de là où on voit la marque de l'ordinateur. Il a fait un diagnostic, il s'est redémarré, il a fait une tentative de réparation, il s'est redémarré, il a fait, enfin, il m'a fait plein de choses, il m'a fait des écrans bleus avec une erreur que j'ai cherchée sur internet via mon téléphone, je n'ai rien trouvé. Elle n'existait pas cette erreur, enfin, personne n'a jamais eu cette erreur là, c'est enfin l'erreur que j'ai eue. J'ai eu quoi d'autre? J'ai eu l'écran des paramètres du PC. Donc j'ai fait actualiser le PC, enfin j'ai fait plein de trucs sauf la réinitialisation parce que je voulais vraiment tester tout plein d'autres solutions avant. Donc voilà, je n'ai pas réussi, donc du coup j'ai dû attendre que quelqu'un soit libre dans mon entourage proche, ce qui a été le cas. À vrai dire, quelqu'un de mon entourage proche m'a aidé, malheureusement on a dû réinitialiser le PC, donc le problème c'est que donc le PC, c'est, enfin pas complètement, mais là où il y avait où il y avait Windows, donc mon disque C. Et le problème, c'est que dans mon disque C, il y avait tous mes fichiers, donc les intros, certaines, enfin la plupart des vidéos que j'avais tournées, mes overlays de stream et de vidéos, pour les vidéos DS, sur Pokémon notamment. Il y avait aussi tous mes jeux, tous mes logiciels, tous mes logiciels de montage et tout, d'où le fait que je vous dise qu'il n'y a pas de montage, parce que je n'ai même plus mon logiciel ni l'intro. Donc ce sera vraiment, là ça sera vraiment upload au feeling. Vraiment comme ça. Voilà, il y avait tout. Donc malheureusement, les vidéos que je tourne avec XSplit, donc avec la version gratuite. Hein, donc voilà, elle est pas craquée ni rien, elle est gratuite. Hein, vous pouvez la trouver sur leur site, avec XSplit Broadcaster. Je l'ai mis sur mon disque. En fait, les vidéos, je l'ai mis sur le disque D. Le problème, c'est que j'ai tellement eu les boules quand j'ai dû réinitialiser. Que je n'ai même pas été voir, ça fait déjà plus d'un mois et demi, un mois et quart depuis que ça s'est passé. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, je vous ai informé avec deux vidéos que je ne peux même pas mettre ici parce que voilà, je fais pas de montage. Mais voilà, donc j'ai eu les nerfs, je ne peux même pas, je voulais même plus faire de vidéo alors que je savais qu'il fallait que je vous explique puisque vous le savez très bien que je suis proche de vous, je vous explique pratiquement tout ce qui se passe et là j'avais vraiment la grosse flemme. Donc voilà, j'étais vraiment une grosse feignasse, démotivée et tout. J'ai parlé avec des gens qui m'ont dit ouais, bah, on comprend et tout, mais faudrait que tu ressors des vidéos pour tes abonnés et tout. Même s'ils sont compréhensifs, ils vont peut-être se sentir patienter. Vous avez déjà patienté longtemps. Et puis, quelqu'un de vraiment très proche, elle se reconnaîtra, cette personne. C'est une personne que je connais depuis pas trop longtemps. Enfin, quand même,
je commence à faire, et qui est vraiment quelqu'un qui m'a conseillé. Ce n'est pas quelqu'un de ma famille, hein. C'est vraiment une amie vraiment précieuse, qui m'a conseillé et qui m'a encouragé à vous faire cette vidéo-là. Même si je n'ai plus la foi, à m'encourager à ne serait-ce que vous faire cette vidéo-là déjà pour un début, pour une reprise. Et je la remercie parce que même si après il y a des abonnés qui m'ont aidé, des amis qui m'ont aidé aussi, qui m'ont encouragé, elle m'a vraiment boosté. C'est le mot. Elle m'a boosté pour que je vous fasse cette vidéo. Donc je la remercie du fond du cœur, vraiment. Et donc je vous fais cette vidéo. Donc les vidéos vont reprendre quand je ne sais pas, parce que je n'ai même pas la foi d'aller voir dans mon disque D si j'ai encore des vidéos. Concernant mon logo, je ne suis même pas sûr de pouvoir récupérer celui que j'ai avec l'œil. Je dois pouvoir, je vais voir. L'intro, je ne sais pas, je pense pouvoir la récupérer grâce à une ancienne vidéo. En faisant un montage, si je récupère mon logiciel de montage, ou un logiciel, je sais pas encore. J'avais bien celui que j'avais, Camtasia Studio 8, c'était très bien. Je suis pas vraiment quelqu'un qui utilise les derniers. Ça me suffisait. Donc je vais voir, concernant les vidéos telles que le Let's Play sur Pokémon. L'épisode que je devais upload, c'était un live que j'avais fait à Noël, je crois, avant Noël. Malheureusement, je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'upload. Ça risque de pas être possible. Donc le let's play va sûrement être arrêté. Donc ça c'est vraiment le plus gros fail de la chaîne maintenant je pense. Il n'y aura pas plus gros par rapport aux anciens. Puis voilà, après il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs, je sais même pas si ça va s'arrêter. Concernant les vidéos sur Garry's Mod. Gmod c'est l'abrégé, mais non, Garry's Mod. C'est possible que ça continue. Je vais sûrement continuer les vidéos de présentation d'Adon. Parce que ça vous plaît bien. Notamment j'ai un projet qui va arriver, qui devait être déjà mis en place depuis un long moment, mais je n'ai pas pu, puisque le serveur sur lequel je devais le faire, j'ai pas pu le mettre en place malheureusement, à cause des joueurs, je vais pas vous le cacher. Pour les habitudes Gmod, vous savez très bien comment est la communauté de maintenant, malgré que ce soit un très bon serveur. Non, je ne fais pas de pub parce que je ne donne pas le nom ou l'IP. mais voilà, donc je sais que c'est un projet que je vais mettre en place sur un serveur quand je ne sais pas, mais ça sera mis en place, ça c'est sûr. Et puis voilà, donc voilà, je voulais vous prévenir. Donc les vidéos vont recommencer, ne vous inquiétez pas, j'y compte bien, je compte bien recommencer les vidéos parce que ça me plaît, ça me manque, je vais pas le cacher, et il y aura encore plus de gaming. Et normalement, étant donné que j'ai entendu dire là où j'habite, que la fibre est en train d'être installée, peut-être que j'aurai la fibre. Donc, qui dit fibre, dit stream. Qui dit stream, dit plus de vidéos et plus de monnaie. Lol. non, je déconne. Pour l'argent, je déconne. Donc voilà. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant concernant les streams et tout. Et les vidéos, quand est-ce que ça reprend. Pour cela, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter, les amis. Vraiment, parce que c'est là où je donnerai des informations pour les prochaines vidéos ou les streams et tout. Donc venez me suivre sur Twitter, le lien est dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous me découvrez, pas forcément à me suivre, puisque un follow, vous abonner sur ma chaîne avec cette vidéo-là, ça vous donnera pas trop envie. Mais à voir les autres, franchement, je vais vous avoir les autres vidéos, que ce soit les récentes ou les anciennes. Voilà, je vous invite vraiment. Et puis bah, en tout cas, j'espère que mon retour fera plaisir à certaines personnes. Puis si ça vous fait pas plaisir, c'est pas grave, hein, le renard fera ses vidéos encore, hein, écoutez. Hein. J'espère en tout cas que pour vous tout va bien, que vous avez passé de bonnes vacances, parce que je vous ai pas souhaité de bonnes vacances en vidéo, que la reprise n'a pas été trop dure, puisque certains ont repris bien après d'autres. Et puis voilà. Écoutez les amis, moi je vous laisse ici, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était Kitsu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à la prochaine sur Twitter. C'était Kitsu, bye tout le monde.